RMC, l'immanquable grande gueule, Étienne Liebig. Vous avez bien compris, une fois encore, que là, on est sur un sujet où tous les hommes politiques savent que dans les 10 ans qui viennent, ce sera même plus un sujet de société. Les mères porteuses. Bah, évidemment. Pourquoi? Ni les mères. Bah, parce que on peut pas aller contre cette forme de technicité qui est en train de se développer, de réalité sociale. Voilà, c'est comme ça, ce sera comme ça. Donc, on peut faire de la résistance pour faire plaisir aux Versaillais. Attends, laisse-moi Étienne, terminer. Mais le débat sur la GPA. Mais j'admets tout à fait qu'il y a un débat et j'admets tout à fait que les Versaillais soient dans la rue avec leur jupe plissée. Mais je suis tout à fait d'accord et je pense c'est qu'il tout faut à fait d'accord avec ta caricature. Mais je suis tout à fait d'accord pour qu'il y ait un débat, mais ce débat quelles qu'en soient les conclusions, il ira toujours vers le sens. Mais si, bien sûr que si, c'est dans les 10 ans qui viennent. Non, les mères porteuses, c'est un vrai débat philosophique. Est-ce que c'est tout est un vrai débat? La fin de la peine de mort est un vrai débat philosophique. Tout est un vrai débat philosophique. Le mariage homosexuel est un vrai débat philosophique. Mais voilà, la société avance. La société n'est pas obligée d'avancer vers GPA. Mais la société avance. Même elle avance contre les désirs des politiques et même contre les désirs des curés et des philosophes. Et contre mes désirs aussi. Il n'y a pas que les curés. Et voilà, ça avance, Philippe, parce que ça Philippe va plus vite qu'on ne le voudrait. Philippe, voilà. RMC. L'immanquable grande gueule.